Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un livre de coloriage parce que ma collection s'agrandit. Toujours, toujours, toujours. Et j'en ai quelques-uns de la même collection. Enfin, les ateliers Teens. Voilà, donc je vais essayer de vous filmer ça aujourd'hui. J'en ai encore quelques-uns qui sont vierges. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais genre, il m'en reste encore deux, je crois, entamés. Ça va. Sur 4. Je les ai pas tous pris. J'ai pas pris le pas à pas parce que bah il m'intéresse pas celui-là. Voilà. Donc on va aujourd'hui regarder le 1. Le Flower Power. Coup, je l'ai pas du tout ouvert, cassé, que ce soit sûr. Donc on est sur du papier qui est pas grand papier, mais voilà, c'est que recto, donc vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Franchement, j'ai déjà utilisé de l'aquarelle dedans et j'ai vraiment pas eu de soucis. Donc, pour moi, le papier, il est vraiment meilleur que celui d'Amazon. Il n'y a pas photo. On est sur le thème des fleurs. Et là, ça y est, on commence à avoir des doublons dans les ateliers Teens aussi. Voilà, sachez-le. Celle-ci, on l'a déjà plusieurs fois, on l'a déjà eu dans les blocs. Voilà. Et sinon, il y en a certaines, elles sont vraiment très très jolies. Hein. Et il n'y a pas trop de fioritures, pas trop de. C'est quand je dis ça que je vois que là il y a quand même c'est quand même là il y a quand même des bébêtes là des bébêtes partout et elle n'a pas la même tête. Pas la même tête du tout, pas la même du tout. Je sais pas d'où elle sort celle-ci. Je l'ai enfin vu en conto, je vais enfin pouvoir la mettre en couleur. Ah oui, j'avais noté celui-ci parce que celui-ci il me fait envie. Il est aussi dans le nature, je crois qu'il est. Enfin, celui-ci, on le retrouve déjà dans plusieurs livres. Celui-ci aussi, il est cool, celui-là. Celle-ci, je l'aime beaucoup. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous voyez que je vais trop vite. Hein. N'hésitez pas. Mais maintenant, oui, je préfère acheter les coloriages Teens à certains autres Disney de chez Hachette Rose parce que bah, justement là, c'est pas du recto verso. Je suis un peu tranquille. C'est pas comme dans 4 saisons où on a des fioritures partout et que ça étouffe le colo et que ça n'a rien à voir avec le colo. Et voilà, 4 saisons, vous avez compris, c'est toujours pas mon truc. Voilà. Là, on a vraiment des belles scènes. Ça fait du bien. C'est sûr, sûr dans la... Beaucoup de Bambi. Alice aussi, on l'a mis partout, celle-ci. Celle-ci, j'ai déjà fait en mystère. Encore du Bambi, il est dans les cartes postales animaux, ça va. Ça me fait penser que j'ai toujours pas commencé. Alice, j'ai déjà fait dans un art déco là. J'ai dû les faire une fois, eux. Profitez-en, on les verra plus ensemble normalement. Hein. C'est raciste, paraît-il. Aussi celui-là. Celui-là, je l'adore. Voilà, Alice et ses fleurs. Voilà, je suis un petit peu. un petit peu souffert avec ça. Et réponse, il est très joli aussi celui-là.
Et c'est dans le bon sens. On aime. Voilà. Parce que ouais, dans le 300, ils n'ont encore pas respecté. Hein? Ils ne nous respectent pas. Voilà. Non, ils ont l'air d'être dans le bon sens. Ouais. Donc voilà pour le Flower Power. Donc 40 scènes. On va pas dire inédites parce que c'est pas vrai. Mais voilà. 40 scènes, voilà. Ils sont jolis, où il n'y a pas trop de hein, voilà, fioritures et de rajouts dégueulasses. Donc on aime bien. Et c'est que du recto. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Hein. Vous allez me voir souvent avec la même tenue, machin, pour des présentations, parce que je vais en faire plusieurs là. Je vous ai prévenu. Donc ne venez pas me dire voilà. Hein. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Faites de bons colos. Bon, beau colo. Faites ce que vous avez envie de faire.